Mon aigle! Je n'y serais jamais arrivée sans toi. Tiens, prends-le. Tu te souviens de quelque chose? Cassandra? Oui, c'est mon nom. C'est bien, Phoebe, c'est bien. J'étais si seule. J'ai hurlé ton nom. Tu n'es pas venue. Je peux voir ton masque. Sentir leur couteau. Tu étais. Je suis là, maintenant. Je suis là. Tout le monde m'a abandonnée. Mes parents, Marcos, Aspasia, même toi. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Je ne suis pas assez bien. Bien sûr que tu es assez bien. Aspasia n'aurait jamais dû te laisser partir seule. Ce qui est arrivé est sa faute, pas la tienne. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi plutôt ce dont tu te souviens. Périclès était mourant. Tous ceux qui n'étaient pas malades devaient quitter Athènes. Je croyais que j'étais seule. J'étais toujours toute seule. Et ensuite... Je suis désolée, Phoebe. Je... Où sont les champs dorés? Tu veux parler de l'Élysée? J'ai été là-bas. C'était très beau. Mais je suis venue ici chercher mes parents. Tu as rejoint les enfers pour sauver ta famille? C'est très courageux. Comme quand tu as voulu trouver la tienne. Mais la mienne a toujours besoin de moi. Il faut que je la trouve. Phoebe, tu as subi bien des épreuves et tu n'as pas connu tes parents. C'est normal d'être nerveuse. Je l'étais, moi aussi. Je serais moins nerveuse si tu venais avec moi. Bon, avant qu'on s'en aille, tes parents, où sont-ils? Je suivais un indice. Il disait, ceux qui sont séparés des êtres aimés sont condamnés à la roue d'Ixion. Je suis peut-être leur être aimé. Tu es sûre que ça va? Non. Mais une Mystios m'a dit de rester courageuse, même quand ça n'allait pas. Alors je garde courage. Ce n'est pas facile de rejoindre l'Élysée. Tu sais combien de temps tu es restée là-bas? Je me suis réveillée sur un bateau... Tout était embrumé, et puis il y a eu la lumière, les champs dorés et les cascades. On n'y accepte que les plus courageux guerriers, tu sais. Le fait que tu y sois allé prouve que tu as mérité ta place parmi eux. Ah, ça je sais pas. Ce serait un honneur d'être à tes côtés quand tu rencontreras tes parents. Aux dernières nouvelles, mes parents se cachaient près de la protection. Ils se cachent? Pourquoi? Les enfers font peur. Ils ne sont peut-être pas des combattants comme nous. Je pourrais leur montrer ce que tu m'as appris. Ah, ça j'en suis sûre.